plus tu vas te faire connaître, donc plus les gens vont te connaître, plus tu vas avoir ce que tu veux dans ta vie. Parce que tout ce que tu veux dans ta vie va venir de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui va venir que de toi. Tu vois, ça va forcément venir de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont super puissants. Et c'est pour ça que je vous accompagne, enfin pour ceux qui suivent la formation Successful en ligne 2.0, je vous accompagne à développer aussi sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur une chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram. Parce que plus les gens vont vous connaître, plus les gens déjà vont être amenés à... Déjà, si on ne te connaît pas, on ne peut pas acheter chez toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bah oui les gars, parce qu'à un moment donné, j'attends un tout petit peu que tu puisses le faire. Parce que je sais que ça fait un moment que tu regardes des vidéos et tu veux pas t'abonner. Je sais pas, comme si genre c'était un truc de ouf de s'abonner. Les gars, comme ça, ça me donne la force. On va voir ensemble dans cette vidéo les 7 habitudes des millionnaires qui réussissent tout. Eh ouais, mon ami, on est là, on fait des recherches. 7 habitudes des millionnaires qui ont du succès. D'accord ? Donc, tu auras juste à faire un copier-coller à un moment donné pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Donc, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Je suis parti de zéro, ok ? J'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle aux Pyramides à Évry dans le 91. Donc les gars, si j'ai réussi, arrêtez de vous trouver des excuses. À un moment donné, il faut arrêter les excuses. Les excuses, c'est pour les faibles, les gars. C'est vous passez à l'action et vous aurez des résultats. De toute façon, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc peut-être comme tu le sais déjà, on est tous des êtres d'habitude. Donc c'est pour ça qu'en fait, je fais des vidéos souvent sur les habitudes. Parce qu'en fait, les habitudes sont la clé. D'accord ? Parce que tu le veuilles ou non, en fait, tu as des habitudes. Tous les jours, tu agis d'une certaine manière et ça donne en fait les résultats dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu manges McDonald's tous les jours, tu prends l'habitude de manger du McDonald's tous les jours, eh ben je peux te dire que dans 3-4 ans, même pas dans 3-4 ans, dans un an, dans deux ans, ton corps il aura changé. Tu vois, parce que tu auras pris ces nouvelles habitudes-là. Et ça, je peux te le dire pour tout. Si tu fais de la musique, si tu prends l'habitude de t'entraîner régulièrement, dans un an, tu seras super bon. Tu vois, si jamais tu prends l'habitude de te former de grandir, de faire grandir ton intelligence financière un peu tous les jours, forcément, dans un an, tu vas devenir super intelligent financièrement et tu vas avoir des résultats dans ta vie au niveau de l'argent. Tu vois, il n'y a pas de secret, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir quelles sont les habitudes à mettre en place dans sa vie, parce que ce n'est pas forcément autour de toi que tu vas pouvoir les trouver, parce que la plupart des gens forcément sont pauvres, parce que là, on parle d'argent sur cette chaîne. Et tes parents ne vont pas t'apprendre ça, tu vois. Et à l'école, on ne va pas t'apprendre ça non plus. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc voilà ensemble les 7 habitudes des millionnaires qui ont du succès. Première habitude, se donner l'autorisation. Te donner l'autorisation de changer ta vie. D'accord ? Si jamais tu ne te donnes pas l'autorisation de changer ta vie, personne ne va te la donner. Si tu attends que tes darons et te disent « oui, c'est bon, tu peux changer ta vie » ou les gens qui sont autour de toi qui te disent « oui, tu peux changer ta vie, tu peux aspirer à plus grand, etc. » ils ne vont pas te le dire parce que même eux-mêmes, ils ne le pensent pas pour eux. Donc comment tu fais ? Okay. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut que tu donnes l'autorisation de changer ta vie. Moi je me rappelle quand j'étais pompier de Paris, j'étais électricien chez les pompiers de Paris et j'avais un appartement de fonction. J'étais bien en plus, j'avais deux chambres, l'appart il était en bas de Tourpliel. C'était à la Tourpliel, donc c'était un endroit où c'était un petit peu neuf et tout. Franchement, l'appart, je payais pas grand chose, je crois que je payais 100 et quelques euros. Et alors que le loyer était peut-être de 1500 ou 1300, je sais plus c'était combien, normalement le réel loyer, mais j'étais vraiment bien, tu vois. Et j'avais pas envie de continuer en fait sur cette vie-là. Pourtant, j'étais bien. J'étais chez les pompiers, je faisais du sport, on était que entre jeunes, on rigolait. Moi, je connais des gars, ils sont toujours là-bas, ils rigolent, ils sont contents. Enfin, pour eux, ils ont couillé, tu vois. Ils sont super bien, ça se passe super bien, tu vois. Moi, je me suis dit non, je veux plus en fait. Je veux plus pour ma vie. En fait. Tu vois, je sentais que moi, je voulais quelque chose en plus, tu vois. Donc, je me suis donné l'autorisation de changer ma vie, tu vois. Les gens qui étaient autour de moi, ils m'ont dit que t'étais un ouf. J'étais un ouf, tu vois. Parce que t'es super bien, tu vois. J'étais pas loin des 2000 euros, j'avais un appartement de fonction. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi ? Pourquoi tu veux plus, tu vois ? Ah ben non, je me suis autorisé, je me suis dit non, non, je veux plus, c'est tout. Enfin, tu vois, ça s'explique pas, je veux plus. Et je suis passé à l'action. Et voilà, après, je sais pas si t'as déjà écouté mon histoire, mais voilà, après, pour le coup, la meilleure idée que j'avais à ce moment-là, c'était de reprendre mes études d'infirmier pour pouvoir être infirmier libéral. Mais ce que je veux dire par là, quelle que soit la décision que tu prends, je me suis dit, ok, je veux plus.
Et si jamais tu ne donnes pas l'autorisation de dire ok, bah oui, je veux plus, déjà ça c'est foutu. Et tous les gens qui ont du succès se donnent toujours l'autorisation d'avoir plus, tu vois. Tu vois, Elon Musk se donne l'autorisation de dire on va voyager sur Mars. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Au-dessus, mon gars, tu peux pas aller plus haut là. Deuxième habitude, changer sa façon de penser, c'est-à-dire de penser que tout est possible. Tout ce qui est mesurable, d'accord, tout ce que tu peux penser peut être accompli. Okay. Donc c'est normal en fait d'avoir des challenges, parce que souvent les gens, quand j'échange avec eux, ils me disent ouais, mais j'ai pas envie de commencer ça, j'ai peur d'échouer, etc., etc. Mais en fait l'échec c'est juste le chemin normal, tu vois. Pour reparler encore d'Elon Musk, combien de fusées il a crashé avant qu'il y en ait une qui décolle et qui réatterrisse exactement comme elle a décollé, tu vois. Il a crashé énormément de fois. T'imagines l'argent qui est en jeu. Donc, pour te dire que c'est normal, en fait. Ça fait juste partie du process de rater. Parce que tu peux pas réussir direct. Il y en a qui... Non, franchement, non, tu peux pas réussir direct. À moins que tu te fasses accompagner, tu as une formation, tu as un coach, un mentor, etc. Ça va accélérer, mais tu vas quand même galérer. Il y en a qui peuvent y arriver direct, mais quand même, tu vas quand même galérer. Quand même. Donc, il faut vraiment avoir cette pensée que si jamais j'ai un challenge... D'accord, donc un problème, tu vois, à régler sur le chemin, c'est que c'est comme si c'est une validation qu'on te demande pour pouvoir dire est-ce que tu mérites ce qui arrive derrière. Et une fois que tu règles ce problème-là, boum, de toute façon, tu vas rencontrer un problème encore plus gros, tu vois. Parce que plus tu vas grandir, plus tu vas devenir puissant, plus tu vas avoir des problèmes puissants, en fait. Donc en fait, ça va toujours continuer comme ça. Il n'y a pas un moment donné où t'as un problème, t'as réglé tous les problèmes et genre il n'y a plus de problème. Non, il y aura toujours un problème qui fait que ça va demander du challenge et qui sera à la hauteur de tes compétences, de ta puissance en fait. Okay? Donc c'est juste en fait normal d'avoir des challenges. Troisième habitude de ceux qui ont vraiment du succès et qui sont millionnaires, c'est d'avoir un objectif. Tu vois, on se le répète beaucoup, mais ça c'est vraiment essentiel, c'est la base. Si jamais tu n'as pas d'objectif, tu fais comment? Tu vas où? Tu vois, ça se trouve, même si tu passes à l'action sans objectif, le problème c'est que peut-être que tu vas avancer, ok, mais tu vas peut-être avancer dans le mauvais endroit en fait, dans la mauvaise direction plutôt, ce que je voulais dire. Tu vas avancer dans la mauvaise direction. Alors qu'au moins, si jamais tu as un objectif, tu avances, même si tu avances lentement, au moins tu avances dans la bonne direction, là où tu veux aller. Donc après, ça te demande de faire un travail, ok, pour savoir quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux exactement dans ma vie, qu'est-ce que tu veux dans ta vie en fait, tu vois. Après, tout ce qui est dropshipping, business en ligne, Amazon, entreprise, tout ce que tu veux, immobilier, bourse, trading, tout ça, c'est juste des chemins. Tu vois, c'est des outils. Donc maintenant, il faut que tu aies quand même un objectif. Tu vois, et après, tu choisis des outils, il y a de l'argent partout. Quatrième habitude, se concentrer sur ce qui est important et non ce qui est urgent. Oui, je répète, se concentrer sur ce qui est important et non sur ce qui est urgent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des objectifs, d'accord? Et si jamais tu fais les choses correctement, tu auras des objectifs qui vont être découpés, qui vont être à l'année par exemple, et tu vas les découper en tous les 6 mois, après tous les 3 mois, et tous les 3 mois, donc ça fera des sous-objectifs, d'accord? Parce que tu peux pas, si tu dis par exemple je fais 100 000 euros, tu vas pas les faire en une semaine, tu vois? Donc tu les découpes 6 mois, 3 mois. Et l'objectif qui est le sous-objectif qui est à 3 mois, tu vas le découper pareil en semaine. Et donc, ça fait que chaque semaine, tu auras une tâche à suivre, enfin un sous-objectif pour pouvoir atteindre le sous-objectif de 3 mois qui va t'emmener sur le sous-objectif de 6 mois, qui va t'emmener sur l'objectif de 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ce qui est important, c'est quoi? Eh bien, c'est de suivre les étapes, enfin les actions que tu dois mettre en place cette semaine pour pouvoir atteindre l'objectif. Le sous-objectif de qui sera dans 3 mois par exemple. Si jamais tu fais ce qui est urgent à chaque fois, donc tu es là, tu es en train d'éteindre le feu un peu partout, tu vas jamais avancer sur ce qui est le plus important en fait et sur ce qui va te permettre d'être vraiment satisfait de toi. Si tu es là en train de répondre à tous les emails, il y a des gens qui t'appellent, tu réponds au téléphone, c'est urgent, etc. Si jamais tu fais ça, tu vas éteindre le feu un peu partout et tu vas jamais avancer. Ça, c'est sûr et certain, c'est garanti. 100%. Cinquième habitude pour pouvoir avoir du succès, c'est de développer tes relations.
Il faut que tu saches qu'en fait, ce qui est important, c'est pas qui tu connais, mais qui te connaît. Super important d'avoir ce qu'on appelle un mastermind, parce que plus tu vas échanger avec des gens qui sont dans la même optique que toi, plus ça va t'encourager, tu vois. Surtout si en plus c'est des gens, alors ça peut être des gens ou des personnes, alors ça peut être des gens qui sont au même niveau que toi, c'est-à-dire qui sont dans la même démarche que toi à peu près. Par exemple, si vous êtes en train de créer votre business en ligne tous les deux ensemble, vous allez rencontrer les mêmes difficultés, etc. Vous pouvez vous encourager, vous pouvez comprendre exactement où vous en êtes. Ou sinon, ça peut être des gens qui sont déjà arrivés, alors ça c'est le meilleur, hein, c'est le best, qui sont déjà accomplis ce que toi tu vas accomplir et tu es en relation avec eux, tu peux discuter, tu peux échanger, etc. Donc du coup, forcément, ça arrive beaucoup plus vite et puis en plus ça te permet de voir que voilà, c'est vraiment possible, c'est pas juste des personnes qui sont dans des vidéos et qui te disent oui c'est possible mais t'as toujours un petit doute, tu sais pas vraiment. Donc ça c'est le mieux. Bon, du coup ça fait comme si c'est un mentor en fait. Mais en gros, plus tu vas t'entourer de personnes qui sont dans un bon mindset, qui ont déjà les résultats que toi tu aimerais avoir, eh ben plus tu vas avoir les mêmes résultats que eux. En fait, voilà, comme dit Dan Pena, montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur, je te dirai ton futur. Ok, donc ça c'est super important de développer ça. Au niveau des relations aussi, il faut que tu saches que plus on va te connaître, plus tu vas avoir ce que tu veux dans la vie en fait. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu veux dans ta vie va forcément venir de quelqu'un d'autre. Je répète, plus tu vas te faire connaître, donc plus les gens vont te connaître, plus tu vas avoir ce que tu veux dans ta vie. Parce que tout ce que tu veux dans ta vie va venir de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui va venir que de toi. Tu vois, ça va forcément venir de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont super puissants et c'est pour ça que je vous accompagne, enfin pour ceux qui suivent la formation Successful en ligne 2.0, je vous accompagne à développer aussi sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur une chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram, parce que plus les gens vont vous connaître, plus les gens déjà vont être amenés à... déjà, si on ne te connaît pas, on ne peut pas acheter chez toi. Donc, ça veut dire, on ne peut pas acheter chez toi. Et même si toi, tu n'as rien à vendre, des gens qui vont voir que... des entreprises qui vont voir qu'il y a énormément de gens qui te connaissent vont te proposer « Est-ce que tu peux parler de mon produit sur tes réseaux, sur ta chaîne ?» Donc, c'est pour te dire que ce qui compte, c'est qui te connaît. Au-delà du... Et c'est pour ça que je répète encore ça, les réseaux sociaux, c'est super puissant. Et après, évidemment, tout ce qui est mastermind, après, tu peux aussi faire à l'ancienne, c'est-à-dire parler avec des gens... un maximum, te faire connaître, d'accord, des gens qui sont autour de toi, etc. Donc ne suis surtout pas le truc de vivons heureux, vivons cachés. C'est juste n'importe quoi en fait. C'est juste, c'est pas vrai en fait. Il faut ne parle pas aux étrangers, ça aussi. Tu peux mettre ça de côté, cette fausse croyance. Parle à un maximum de gens. Sixième habitude qui permet au milieu d'avoir du succès, c'est la communication. La communication, c'est souvent négligé, mais c'est super puissant. Si jamais tu as une bonne communication, et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le point précédent, si tu as une bonne communication, tu vas pouvoir rentrer en contact avec beaucoup plus de gens. Et comme je t'ai dit, toutes les opportunités vont venir de personnes extérieures. Donc si jamais tu n'as pas une bonne communication, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer à côté d'opportunités. C'est d'ailleurs pour ça, pour te montrer que c'est super puissant cette compétence de la communication, c'est que Warren Buffett s'est formé avec Dan Carnegie, celui qui a écrit le livre « Comment se faire des amis » pour pouvoir apprendre à communiquer et en gros se faire des amis, tu vois. Donc c'est pour te dire la puissance de cette compétence que tu dois forcément développer, tu vois. Donc si tu n'as pas encore lu le livre « Comment se faire des amis », il faut absolument que tu le lises. Et fais pas le mec « Ouais, non mais moi c'est bon, j'ai pas besoin de me faire des amis, j'ai déjà des amis ». Non, c'est pas ça, c'est vraiment plus profond que ça. C'est vraiment, il y a des manières de rentrer en contact avec des gens. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont super à l'aise. Parce que quand tu communiques bien, forcément tu influences naturellement, puisque tu communiques bien. Regarde les gens qui sont forts, par exemple, en communication. Par exemple, les gens qui sont forts en communication, ils peuvent avoir énormément de choses, tu vois. Ils peuvent influencer énormément de personnes aussi, tu vois. Même pour les gens, par exemple, qui sont speakers et qui parlent devant beaucoup de gens, plus la communication, elle est forte, elle est puissante, plus ils peuvent avoir énormément d'influence sur les gens qui les écoutent. Ok, donc ça c'est encore quelque chose à part, mais pour te dire que super important, développer ta communication. Et septième habitude des millionnaires qui ont du succès, c'est de grandir continuellement. Ça veut dire quoi grandir continuellement? Ça veut dire que ça soit émotionnellement, que ça soit financièrement, que ça soit physiquement, que ça soit sur tous les points en fait. Tous les points, ils prennent l'habitude d'avoir des bonnes habitudes pour pouvoir évoluer constamment.
tu ne peux pas avoir fini tes études, tu vois, et ne rien apprendre derrière. Tu vois, ce n'est pas possible. Tu vois, dans la vie, on a besoin d'une... L'intelligence financière, c'est une intelligence dont on ne parle jamais, mais c'est ce dont on a besoin, en fait. Tu vois, l'intelligence académique de l'école, c'est gentil, mais Pythagore, ça ne va pas t'aider dans la vie. Tu vois, ce qui va t'aider, c'est l'intelligence émotionnelle. Comment tu gères tes émotions. Tout est question d'émotion dans la vie. Que ce soit pour les business. Est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais échouer? C'est quoi ça? C'est l'émotionnel. Si jamais tu apprends pas à être intelligent émotionnellement, comment gérer, etc. Comment prendre des grosses décisions, comment passer à l'action, etc. Si jamais tu gères pas ça, ça va être compliqué. Intelligence financière. Continuellement grandir, parce que le monde il va super vite. Tu peux pas me parler de trucs. Ouais, j'ai fait un master en 2009 et croire que tu déchires toujours. Enfin, le monde il va trop vite. Il faut te former continuellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les multimillionnaires lisent 60 livres à l'année. Tu vois, je le répète encore tout le temps, peut-être sur toutes les vidéos, mais c'est pour que ça rentre. Tu vois, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Et physiquement, bah, pour avoir une bonne énergie. Après, tu me diras, il y a des gens qui font pas du tout attention à leur physique et qui ont des gros résultats. C'est vrai, mais quand même, la plupart font attention physiquement à leur apparence et à leur santé surtout. Okay, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Mets-moi un petit j'aime si jamais tu as aimé. Mais moi, j'aime pas parce que tu es un rageux et que tu n'as pas aimé. Le gars qui accepte rien. Non, mais c'est vrai, tu es un rageux quand même. Si jamais tu n'aimes pas la vidéo, pourquoi tu mets un j'aime pas? À la limite, tu mets un commentaire. Machin. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Mais si t'as, en tout cas, si t'as pas aimé, il n'y a pas de souci. Si t'as un rageux, n'hésite pas à mettre un j'aime pas. Maintenant, si jamais t'as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à la partager. D'accord, c'est, on va dire que c'est le job, les gars. Abonnez-vous, partagez, c'est gratuit. Voilà. Moi, je fais des vidéos et en échange, voilà, les gars, vous faites ça. Maintenant, si jamais tu veux aller plus loin et créer ton business en ligne, bah, pouvoir commencer à développer ton intelligence financière, pouvoir avoir les skills, enfin les compétences pour pouvoir. Bah, commencer à développer tes réseaux sociaux, avoir un personal branding, pouvoir vendre des formations en ligne, pouvoir vivre de ton contenu. Je t'explique exactement comment moi j'ai fait pour pouvoir générer 2000 euros par mois avec mon business en ligne sous le saxophone. Donc si j'ai fait sous le saxophone, tout le monde peut le faire. Okay, tu peux le faire sur n'importe quel thème. De toute façon, je donne des thèmes directement. Si jamais tu pars de zéro, tu n'as aucune passion, tu n'as rien, tu n'as aucune compétence. Je t'explique exactement tout ça dedans. C'est une vraie formation, les gars. J'aurais pu la mettre payante. D'accord, je l'ai mis gratuite, donc c'est pas parce que c'est gratuit que c'est nul, hein, qu'il n'y a rien dedans. Okay, donc clique là-dessus si jamais tu veux créer ton business en ligne et puis être ton propre patron et libre géographiquement voyager un peu comme moi je fais là. Et si jamais tu es coach, consultant et un expert, bah, tu as la masterclass pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres rapidement. Je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour pouvoir les atteindre. Donc, il n'y a plus d'excuses, les gars. Vous avez tout en description, quelles que soient tes compétences. OK, que tu sois débutant ou pas. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous.